Selon un rapport, Manchester United envisagerait sérieusement de recruter l'attaquant du Bayern Munich, Harry Kane, cet été. Les Red Devils ont été fortement liés au capitaine anglais l'été dernier, mais le Bayern Munich a remporté la course à sa signature après s'être mis d'accord avec Tottenham sur un montant d'environ 117 millions d'euros. Harry Kane a connu d'excellents débuts en Allemagne, inscrivant 29 buts en 30 apparitions avec sa nouvelle équipe jusqu'à présent. Le Bayern Munich, quant à lui, risque de ne pas remporter de trophée cette saison, suite à des défaites récentes qui lui ont été préjudiciables. Il occupe actuellement la deuxième place de la Bundesliga, à 8 points du Bayer Leverkusen, qui occupe la première place. Il a également été éliminé de la DFB Pokal et s'est incliné 1-0 en huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre la Lazio. Des rapports suggèrent que Harry Kane est malheureux au Bayern Munich en raison de la mauvaise forme du club et que Chelsea, entre autres, s'est renseigné sur la possibilité de recruter le joueur de 30 ans durant l'été. Aujourd'hui, il semble que Manchester United pourrait relancer son intérêt pour l'ancien joueur de Tottenham. Selon Football Transfer, Harry Kane est en haut de la liste des transferts estivaux de Manchester United alors que Sir Jim Ratcliffe cherche à reconstruire l'équipe. Sir Jim Ratcliffe a des projets ambitieux et veut faire d'Old Trafford l'endroit idéal pour développer les jeunes espoirs. Il souhaite également recruter un attaquant prolifique et Harry Kane entre certainement dans cette catégorie. La star anglaise a inscrit 30 buts en Premier League avec Tottenham la saison dernière et n'a montré aucun signe de ralentissement depuis son transfert au Bayern Munich. Le rapport affirme que Manchester United montre beaucoup d'intérêt pour Harry Kane à nouveau et est prêt à frapper s'il exprime sa volonté de revenir en Premier League. Football Transfer ajoute que Sir Jim Ratcliffe est prêt à dépenser jusqu'à 300 millions d'euros pour de nouveaux joueurs. Toutefois, ce montant pourrait changer en fonction de la qualification des Red Devils pour la Ligue des Champions ou l'Europa League. On pense que le Bayern Munich exigerait environ 117 millions d'euros pour Harry Kane cet été afin de récupérer l'argent dépensé pour lui. Dans ce contexte, Manchester United ne devrait pas dépenser une grosse partie de son budget pour recruter Harry Kane, surtout si l'on tient compte de la forme récente de Rasmus Højlund. Cela dit, si Harry Kane pouvait marquer plus de 30 buts en Premier League la saison prochaine, il pourrait potentiellement faire de Manchester United un prétendant au titre.